Au niveau de l'organe délibérant, le président fédéral à l'intérim de l'UDPS Kassai-Oriental, Laurent Kolela-Chabassatou, a lu et déposé les mémorandums de la fédération entre les mains des élus du peuple. Honorable président, l'UDPS Fédération de Mujimaï et toutes les forces acquises au changement sont peinées de constater que nos amis du FCC sont déterminés à imposer leur volonté au détriment de celle du peuple. Ils ont tenté de s'emparer de la machine judiciaire de la RDC par les trois maudites propositions de loi. Aujourd'hui, c'est la machine électorale qui l'intéresse dans le but d'assouvir l'air sauf de se perpétuer au pouvoir par des moyens malhonnêtes. Le peuple est-kassaïen approuve à la face du monde, il rejette en bloc ses choix du sieur Ronsard Malonda, sans consensus à la tête de la CENI. Le peuple est-kassaïen réitère son entière confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens à vous remercier infiniment pour la liberté d'expression que venait de manifester conformément à la Constitution. Il est normal, en tant que représentant de l'institution, de la première institution de la province, que nous puissions vous accueillir ici. Mais je vous rappelle encore une fois, nous sommes une institution qui regroupe toutes les tendances politiques. Et le chef de l'État, en tant que garant de la Constitution, a déjà répondu à cette préoccupation. Le chef de l'État était clair lors du Conseil des ministres. Il a bien précisé qu'il n'acceptera pas à ce que les choses soient violées au détriment de la population. Le processus électoral concerne la population. Il est normal que vous puissiez manifester votre liberté. Une fois de plus, je vous remercie et je vous recommande de rentrer librement tout en respectant les lois de la République. Cette marche a été un pari gagné face à l'interdiction du ministre national de l'Intérieur qui s'était farouchement opposé à tout mouvement de marche en cette période de crise sanitaire. Ça aurait été un véritable